vous procurer le livre sur la loi d'attraction. Il est vraiment super pour connaître la loi d'attraction en profondeur. Mes deux livres de rituels d'amour et comment sortir d'une relation toxique et comment devenir une femme fatale en 21 jours. Vous pouvez les trouver sur Amazon, sinon sur le lien sous la vidéo en description. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un rituel pour l'argent qui est très puissant. Je le fais assez souvent et pour des grosses sommes quand même. Donc, je vais vous dire ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de café en poudre ou du café soluble ou du café en grains. C'est pareil. D'un papier, d'une bougie, d'un bic et d'un souplat pour ne pas faire de tâches surtout. Alors, comment est-ce que on va démarrer? Sur le papier, là je vais le faire plus petit. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Voilà, donc ici. On va sur celui-là enlever les bords. Ici, voilà, vous aurez ce papier ici. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez des rituels personnalisés, en début de vidéo et en fin de vidéo, je vous mets mon email, mon WhatsApp, et c'est uniquement par là que vous devez me contacter. Oubliez Instagram, Facebook, tout ça, parce qu'il y a trop de gens qui sont passés pour moi. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et si vous voulez, évidemment, vous me contactez si vous voulez des rituels, pas si c'est pour de poser des questions sur les rituels, ou ça vous le faites sous la vidéo, en commentaire. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne et d'activer toutes les notifications pour recevoir toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et donc, si vous voulez aussi les formations, il y a des formations gratuites, vous regardez dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez, si vous avez plus de questions concernant les formations, vous me contactez en privé. Alors, sur ce papier, on va mettre la somme qu'on veut. Alors, on va y aller, on va mettre 1000. Alors, c'est euros, dollars, ou vous mettez à peu près 1000 euros, 1000 dollars dans votre, dans votre monnaie locale, ok? Alors, ensuite, on allume la bougie, hein, je l'avais déjà fait. On va prendre ensuite le café. Parce que je bois jamais pratiquement du café soluble. Moi, je suis une vraie fan de vrai café. J'avais acheté ça au cas où il m'en restait plus, que je sache que j'ai un peu de café. Même si je bois beaucoup de déca. Voilà, ok. Alors, ce qu'on va faire, je vous montre. Vous allez mettre donc sous la soutane, la soutane, hein, ok. Là, on a mis 1000 euros. On peut y aller. Hein. Pour ce rituel-là, on peut y aller. Ça, c'est vraiment pour des grosses sommes. Mettez pas plus. Démarrez déjà avec celui-là. Et si, quand vous avez l'argent, eh ben, vous pouvez mettre une plus grosse somme. Mais là, la somme minimum avec ce rituel, c'est 1000 euros. D'accord? C'est pas 100 euros ou ça ne vaut pas la peine. Alors, du coup, il y a d'autres rituels pour moins d'argent. Alors, ensuite, on va mettre... Oui, aïe, zut. J'en ai mis un peu partout. On va... Aïe, vraiment. Je vais pas sortir comme ça de cette petite boîte. Ok, alors. Bon. Je nettoierai ça après. Et voilà. Alors, donc. On va mettre sur le... Donc, le café sur le papier. D'accord? Et on va couvrir le papier complètement. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir le papier. D'accord? Et vous le mettez dans toute la petite sous-tasse. Si la sous-tasse est plus petite, voilà. Donc on ne doit plus voir le blanc de la sous-tasse. Ni le papier. Je vais fermer ça, au cas où ça se renverse. Non, ça va faire des dégâts. Alors. Vous voyez ici, c'est rempli de toutes parts, on ne voit pas le papier, d'accord? Et on ne voit plus le blanc
qui est du souplat, de la soutasse, pardon. Alors, ensuite, vous allez prendre la bougie et vous allez la déposer sur le café. Ok? Donc, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de traces de blanc ou qu'on ne voit, on voit pas le papier, parce qu'on ne peut pas voir le papier avec. Sinon, le rituel n'est pas complet en fait. Ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment, 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 vraiment que tout soit couvert et surtout le papier. Et vous mettez la bougie sur le papier au-dessus du café, quoi. Je veux dire la bougie sur le café, mais où il y a au milieu le papier. D'accord? J'espère que c'est bien clair. Alors, n'hésitez pas à regarder deux, trois fois la vidéo avant de faire le rituel parce que comme ça, vous êtes beaucoup plus zen. Il y a l'énergie de la vidéo que je vous envoie et donc c'est beaucoup plus. Vous aurez des résultats plus probants en tout cas. Quand je vous dis ça, c'est vraiment pas pour vous dire que vous regardez deux, trois fois. Non, c'est vraiment réel, quoi. C'est vraiment une question d'énergie. Ensuite, vous allez prendre vos mains et visualiser vos 1000 euros. Vous les visualisez en billets, non, 1000 euros en pièces. Vous visualisez qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Vous achetez je sais pas, un vêtement, un sac, c'est pour payer une facture. Et vous visualisez la chose que vous voulez. Donc, si par exemple c'est une facture, vous imaginez comment vous sentez parce que vous avez les 1000 euros et vous l'avez payé. Ou c'est plusieurs factures. Si c'est un sac, voilà. Ou si c'est un vêtement, voilà, vous avez le vêtement. Ça doit être pour quelque chose de concret. C'est-à-dire les 1000 euros, ce n'est pas les 1000 euros comme ça dans le vent. C'est pour faire quelque chose. Ou si c'est 1000 euros pour ajouter pour vos vacances, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les 1000 euros en plus? Est-ce que ça vous paye toutes vos vacances? Ou est-ce que ça vous paye juste déjà vos frais, les restos, les plages privées, ou voilà, que sais-je. Donc vous imaginez profiter de cet argent avec ce que vous voulez. Donc ça c'est très très important. Mettez vos mains là, ça vous passe toute l'énergie. Vous pouvez faire ça aussi. Ça aide aussi à faire passer l'énergie. Comme ça. Quand la bougie est consommée, uniquement, vous pouvez faire une bougie chauffe-plat ou une bougie plus longue que celle-ci, ça dure longtemps. Alors, donc, vous allez enlever la bougie. Vous pouvez jeter la bougie. Et ceci, vous allez le mettre soit sous votre lit, soit dans votre chambre, en tout cas près de vous. Et quand vous avez l'argent, vous allez mettre tout ça, donc le café avec le papier, dans un sac en plastique ou un sac poubelle, mais seul, seulement, pas mélangé avec d'autres choses. Ça, le rituel va encore prendre plus d'ampleur pour quand vous ferez un prochain avec une somme beaucoup plus importante, ça va fonctionner beaucoup plus rapidement. Vous aurez les résultats rapidement. Et ensuite, vous jetez ça aux ordures, mais n'oubliez pas, donc, un sac plastique ou un sac poubelle, juste pour ça, que vous fermez bien. Et ensuite, vous le mettez pour le jeter, quoi. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce rituel. Je vous invite à vous abonner, n'oubliez pas, à cliquer sur la petite cloche pour activer la notification, la cloche. Et likez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Et donc, n'oubliez pas, posez-moi des questions. Si vous êtes intéressé par les rituels ou les formations, vous me contactez via. Là, il va y avoir mon email et mon WhatsApp. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pardon, un prochain rituel.